N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Dans l'industrie musicale, Slimane et Kenji Girac s'entendent généralement très bien. Cependant, en 2023, Slimane, père d'Eva Alba, a rencontré des différences avec son célèbre confrère pour une raison spécifique. Reconnu pour son timbre de voix puissant et distinctif, Slimane est actuellement l'un des artistes les plus en vue de sa génération. Lancé par The Voice en 2016, cet acolyte de Vitaa représentera la France au prochain concours de l'Eurovision en Suède, dont la finale est prévue pour le 11 mai. Artiste apprécié, Slimane a enchanté son public l'année dernière en rejoignant le jury de The Voice Kids avec Nolwenn Leroy, Kenji Girac et Patrick Fiori. En tant que coach, il s'est pleinement investi pour découvrir les meilleurs talents. Sur le plateau, il a été particulièrement ému par l'interprétation touchante de « Corps d'Iseult » par Lina, une jeune chanteuse de 12 ans. « J'aimerais vraiment, vraiment t'avoir dans mon équipe », a confié le père d'Esmeralda avant d'être soudainement interrompu. Lors de cette séquence, Slimane n'a pas pu terminer son discours car son siège s'est retourné, à cause de Kenji Girac qui a activé son super bloc. « Oh merde! Oh là! Pardon !» Désolé, ce n'était pas volontaire, s'est justifié l'interprète d'Andalouse sur un ton moqueur. J'ai voulu appuyer, mais j'attendais qu'il finisse de parler. J'ai juste posé le doigt dessus pour me préparer et boum. Slimane a été surpris par les mots « Je te jure que je ne t'aime plus, mon frère ». « Attends, je souffle. Je suis dégoûté », a réagi l'artiste, avant de lancer à son confrère, non sans humour. On devait faire une chanson ensemble. Oublie la chanson, c'est terminé. Je ne l'écrirai pas. Cette réplique a amusé l'assemblée. Et pourtant, la chanson que j'avais commencée pour toi disait « Malgré le temps qui passe, on va s'aimer encore. Mais là, je te jure que je ne t'aime plus, mon frère », a ajouté Slimane, visiblement affecté. « Ah non, l'amitié est bien plus forte qu'un simple blocage », a plaisanté Patrick Fiori. Slimane a répondu avec légèreté « T'inquiète, c'est de l'humour ». Après une longue discussion avec sa mère, Lina a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Kenji Girac sous les yeux impuissants de Slimane. « Merci à The Voice pour le super bloc. Et désolé quand même », a ajouté Kenji. Même en situation difficile, Slimane a montré qu'il ne lui en tenait pas rigueur. « Non, c'est exactement ainsi qu'il faut l'utiliser », a-t-il commenté. La star sera mise à l'honneur à 21h10 dans le reportage « Slimane, le conquérant », diffusé sur BV9 ce mercredi 8 mai 2024. Ses admirateurs ne manqueront sûrement pas cette occasion de le voir.